Terre Gang, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau petit vlog, weekly vlog, je sais pas trop que ça va être comment. Fait que là, j'ai juste fini mon meeting avec M. On a un meeting maintenant à tous les matins à 9h puis à toutes les fêtes de journée à 5h. Avant, on en avait pas vraiment, mais là, on a comme installé ça pour comme plus garder le fil sur genre l'avancement des projets et tout. Je voulais vous amener parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas. Ben, regardez, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. J'ai filmé la semaine passée, mais j'ai comme pas de vlog en cours. Non, ce soir, je m'en vais à une soirée. Ben, une soirée. Il y a une activité de financement au bar. Ce soir, on est mercredi puis je sors au bar. C'est au bar le Willard, qui est comme un bar un petit peu, je sais pas comment dire, là, vraiment pas un club, là, vraiment comme plus un bar genre de région également, là. Puis il y a comme une soirée qui se karaoké à soir, fait que on s'en va avec des amis, puis je risque d'aller un petit peu pré-drink avec des amis aussi avant. Fait que c'est pas mal ça, les plans de la journée. Fait que je vais venir avec moi, puis demain on s'en va probablement visiter un appartement, moi pis Samy à Montréal. Et je sais pas si je vous dis ça la gang, mais c'est officiel, je déménage à Montréal cet été. J'ai vraiment hâte de déménager avec Samy. Je pense pas que je vous l'avais dit, mon dieu, hein, les grosses nouvelles. Mais c'est ça, donc jusqu'à mon appartement, j'ai mon appart jusqu'au 1er août. J'ai réussi à extensionner du 1er juillet au 1er août. Fait que je le garde comme ce mois-ci parce que je finis comme l'école le 26 juillet, le 28 juillet. Fait que fin juillet. Mais là, je suis vraiment en recherche d'appartement. On va déménager à Montréal. On va commencer la vie d'adulte temps plein, travailler temps plein. C'est genre tout ça. Fait que c'est quand même excitant. C'est quand même des gros projets. Puis il y a un changement de vie quand même drastique. Ben drastique. T'sais, on s'entend qu'on est à l'école depuis. En fait, je suis à l'école depuis que j'ai 5 ans. J'en ai 21. J'en ai 22. Hey, j'ai 22. Ouais, j'ai 22. Hey, mon dieu. Je vous dirais que trouver des apparts à Montréal, c'est tellement compliqué, là. Genre, on écrit à du monde, puis ils nous répondent pas. Parce que, genre, les apparts se louent fucking vite. On avait déjà essayé d'écrire à du monde, comme en février, genre, fin janvier, début février, puis on se faisait juste dire que c'était trop tôt, puis que les appartements pour juillet, slash, ah oui, étaient pas sortis. Enfin, en tout cas, si jamais il y en a parmi vous qui connaissez des gens qui quittent leur appartement un 4,5, quand même proche d'un transport en commun slash métro, là, mais vous me ferez signe, je serais bien intéressé d'avoir votre petit logement, la gang. Je lance dans l'univers, ça fera un petit peu mon rêve, quelqu'un me répond si. Vous pouvez m'écrire, peu importe. Mais ouais, on est vraiment en mode recherche présentement. Fait que demain, on va peut-être visiter un appartement, ça dépend s'il est loué d'ici là. Fait que c'était les petites nouvelles du jour. Là, je vous laisse, mais on va travailler, puis on s'en parle tantôt. Bon, on vit pas mal une urgence nationale, la gang, en ce moment, l'appartement. On a plus de lait. Donc, qui dit plus de lait, plus de café glacé. Fait que, on dirait que je trouve ça drôle de, comme, pas rien avoir dans l'estomac quand je me lève. Parce que, je sais pas pour vous, là, je pense que c'est quand même quelque chose de normal. Mais quand je bois du café, j'ai comme moins faim. Fait que, genre, c'est pour ça que je déjeune jamais. Comme, on dirait que le café, ça me coupe l'appétit. Fait que, là, je vais me faire un bon smoothie. On dirait que ça me tentait. Fait que, je vais mettre des fruits ici. On a pas de banane, par contre, le fuck. Oh oui, mon dieu. Bonne vieille banane brune. Je trouve que les bananes, c'est qu'est-ce qui est le meilleur. Fait que c'est un mélange de fruits. C'est quoi, c'est pêche, fraise, cerise, pas cerise, raisin. En tout cas, on en a plein d'affaires. On a pas de lait par contre, si. En fait, on n'a pas grand chose, faut vraiment comment faire les biscuits. Bon, mais ça, c'est qu'il va aller dans le smoothie, c'est pas mal le choix. Fait qu'on a, comme je vous ai montré, des trucs congelés. Je vais mettre un petit peu de jus, une banane. C'est une banane, même. Puis je me dis que je vais peut-être mettre un petit peu de creamer. C'est un peu d'aigle, là, mais c'est genre macchiato, bref, caramel. Non, c'est ça, non, pas, mais caramel mocha, en tout cas, noisette. Je me dis que ça sera peut-être pas si pire, juste pour que ça soit un peu plus creamy. De la glace, puis j'avais ça dans ma colis, puis hier, c'est genre de la poudre de protéines white, comme ça. Vraiment pas mon genre d'acheter des trucs de même, mais ta fraise banane, finalement, j'ai goûté, puis elle est vraiment bonne, la marque white. Fait que je vais mettre ça là-dedans. Bon, c'est pas le smoothie le plus réussi de ma vie. J'ai goûté un peu, puis le creamer, j'en ai trop mis, là, ça goûte un peu trop le chocolat, genre. Il me semble aussi quand même épais, pour être honnête, là. Tabarnak. Help. Je fais un dégât national. Bon, ben au moins, il y a la couleur cute. Mon dieu, là! Il est pas si trop épais, finalement. Il est quand même bon, finalement. J'ai une note de 7.1 sur 10. Fait que maintenant que la péripétie smoothie est finie, on peut se remettre à travailler. Un 10 croquettes. Mecto, mon rêve. Une petite poutine. Hello! J'ai oublié ma caméra. Fait que, on est présentement, on vient de finir une journée de travail. J'ai fini plus tard de travailler parce que demain, je vous disais tantôt que je cherchais, on trouvait pas d'appartement à Montréal. Ben, je m'en vais en visiter demain à 5h avec Samy. Fait que là, bref, je finis à 3h. Fait que j'ai travaillé un petit peu plus longtemps. Fait que Marie, on s'en va à l'épicerie. Pour la première fois en 6 mois. Non. Ben, moi, honnêtement, ça fait vraiment longtemps que je peux aller. Ouais. On n'a plus rien. On n'a plus rien. On n'a plus de bagel. On n'a même plus de pâtes pour vouloir se faire des pâtes. On n'a presque plus de sauce. C'est quoi qu'on n'a plus aussi que je me suis dit, on n'a plus ça. On a plus de craquelin, on a plus d'humus, on a plus rien. Non, vraiment rien. Puis regardez-moi la température de merde, là. Genre, what the fuck? On a une mission, c'est de faire épicerie en 10 minutes. Puis là, ça va bien, parce qu'on n'a pas le temps de se préparer. Checkez-moi la face. J'ai dit que c'était un marathon. Ben, t'as-tu fait la crème glacée, pis tout? Non.
Non, calme-toi, là. Ah, Marlboro Fudge, je parle? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est correct. Ou est-ce qu'on essaie de Marlboro Caramel? Non. Là, t'as-tu plus le fond? Hello, hello tout le monde! Bon, on est le lendemain, et mais je n'ai pas vraiment filmé ma soirée. C'était bien le fun, honnêtement. Fait que, c'est ça, je me suis couché quand même peut-être genre 2h30. Fait que, je pensais que ça a été plus difficile. J'ai commencé un petit peu plus tôt à travailler parce que c'est mis live. Hi! Parce qu'on s'en va visiter des apparts, comme je vous ai dit. On en visite 3 aujourd'hui. C'est ça, 3? Ouais. 3. On en visite un demain, puis un aussi samedi. Ça le donnait bien parce qu'on avait un party. Ça a tout débloqué. Ouais, hein, c'est fou. On a un party demain soir à Montréal, fait que ça le donne bien qu'on ait des visites en même temps. Fait que là, on est en direction de ça. Il est 3h, il est 4h. Fait que voilà, on a bien hâte de vous montrer tout ça. Je sais pas si tu vas filmer, mais. Ouais, peut-être. On verra. Ça sent la grosse cigarette, ça, non? Je suis en train d'angoisser. J'ai peur qu'on reste pogné dans l'ascenseur. Ok, on vient de visiter comme appart. Je peux pas. Non. Non, je suis. Je vais vous montrer l'ascenseur. Regardez la petite crise d'ascenseur. J'ai un peu peur. On va où, hein? Cette chaussée. Puis, ce qui était vraiment malaisant, là, c'est qu'on arrive, le gars, il nous déborde, mais c'était comme le locataire, puis. Il retourne toujours sur une vidéo. Il nous fait pas, genre, la visite, fait qu'on se remet tout de suite. Ah, c'était cringe, c'était cringe. Ah, je suis déçu. Ben non, on dirait, moi, jamais j'ai fait ça. Mon mode, genre, des photos. Oh my god. Les photos, ça ressemblait pas tout à ça, Ryan. Ouais, non. Genre, on dirait que je me rends compte que ça allait plus tough que je pensais. Les photos, elles ont l'air grandes, mais ouais, en vrai, c'est minuscule. Ça, c'est plus loin, par contre. On va y aller live parce qu'il faut qu'on soit là à 19h. Fait que deuxième appartement, c'est live, mais faut vraiment que je sois aux toilettes. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ouais, nice. Pas super, ouais. Lui, là, ça va être le plus. Ouais, ouais, il y a pas beaucoup de lumière, par contre. Ça me gosse. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est beau, là. Regardez comment le troisième appartement, il est beau. Il est genre dans un espèce de c'est un condo, là. Nouveau condo rénové avec genre des nouvelles bâtisses. On comprend pas trop pourquoi il coûte genre, je pense qu'il coûte genre 1600. Genre, ouais, des fois que je comprends pas. Hola, hola, la gang! J'espère que ça va bien. On est, j'allais dire dimanche, on est samedi, mais ça file comme un dimanche matin. Il est quand même tard, là, il est 11h30, je me suis réveillé vers comme 10h30, 10h45, ça a vraiment fait du bien. Café glacé dans mon verre, bref, de gros club. Regardez-moi comment il est beau. Je l'avais déjà présenté, mais je le trouve tellement beau avec les petites fraises, là. Fait qu'on fait ça, puis après, on va se parler un petit peu. On dirait que j'ai un petit reset de update de vie. Je vais ajouter un petit peu de creamer. On a acheté ça à l'épicerie de chez Starbucks, latte à la vanille. Ce matin. Hier, je suis monté à Montréal, je vous ai pas du tout filmé, j'aurais dû, c'était quand même le fun. On est monté à Montréal pour aller visiter un appart. Mais je fais une petite story time, comme ça. Fait que, premièrement, on montait à Montréal. L'appartement qu'on est allé aller visiter, on était censé le visiter jeudi, quand on est allé aux appartements que je vous ai comme filmé. Mais finalement, la fille, elle a comme choqué, elle pouvait pas. Fait que là, moi, j'avais dit en mode, on descend de Sherbrooke, ben on monte de Sherbrooke, on descend de Sherbrooke, oui. Genre, c'est pas possible de garder la visite, c'était comme, non, malheureusement, je peux plus. Fait que là, c'était hier soir. Fait que là, on est samedi matin, fait que c'était vendredi. Je sais pas si vous me suivez. Là, on était comme, ok, c'est pas grave, on va remonter à Montréal. Là, ça tombait bien parce qu'on avait un pas-jeu. Fait qu'on partait à Montréal. Bien évidemment, on l'a choqué. Ça nous tentait vraiment pas. Je montais avec Samy, pis ça me tentait vraiment pas d'aller brosser. Ça me tentait pas de me réveiller hangover pis tout. Je le filais juste pas. Je faisais juste penser pis j'étais comme, je suis pas dans. C'est surtout que mercredi, on est comme sorti. En tout cas, une soirée karaoké. Fait qu'on s'est quand même couché tard. On était hangover le lendemain. J'étais comme, jeudi, j'étais pas hangover. Le vendredi, je vais l'être. En tout cas, vous comprenez le genre, là. Mais ça me tentait juste pas à m'entendre de me réveiller à Montréal de dos, bon, la route et tout, je m'imaginais, puis ça me tentait vraiment pas. Absolument, je suis le genre de personne à ne jamais manquer ces événements-là. Mais là, vous voyez, je me suis écouté, puis ça me tentait pas, je parlais. Mais on était quand même à Montréal pour aller visiter l'appartement, fait qu'en mode un aller-retour. La visite était à 18h, puis la fille, elle a comme changé l'heure à comme 5h40, puis moi j'ai cliqué à vers comme 2h de l'après-midi. En mode, nous on monte de Sherbrooke, on descend de Sherbrooke, fait que ça se peut qu'on soit plus là vers 18h avec notre travail et tout, comme nous on avait pris en compte que c'était à 18h. Là, elle ne voit pas mon message de toute la journée, slash la soirée. On arrive là-bas comme de fait à 6h02 comme l'heure prévue dès le départ. Fait que logique à la fille, bonjour, nous sommes là. Elle avait toujours pas vu mon message d'en haut, elle ne me répond pas. Je suis comme tabarnak. Et on a attendu une demi-heure. Fait que finalement elle me répond à genre 6h40. Allô, ben comme de fait, nous la visite était à 5h40. J'étais arrivé à 5h40, vous n'étiez pas là, alors je suis reparti.
ça tentait pas de répondre à mes messages, de regarder mes messages, dont elle s'en crissait. Fait que, en fait, on a vraiment fait un aller-retour au Montréal sans visiter l'appartement, ça fait chier parce qu'on l'aimait full. Mais voilà, fait qu'on est un petit peu mal parce que, tu sais, on a quand même fait un aller-retour, puis genre, elle checkait pas ses messages, elle aurait pu nous écrire bonjour, le numéro de l'appartement, c'est, je sais pas, le deuxième, on savait même pas, on avait juste l'adresse. Fait que, si on est allé au quartier 10-30, ça revient parce que j'avais une collab, en fait, j'ai une collab avec Cozy, fait que la marque de divan, là, que mon divan, j'ai. Cozy. C'est ça, ils ont comme un pop-up shop, puis il fallait que je fasse genre des stories, slash un petit reel avec eux, fait que ça tombe bien, j'étais arrêté là, fait une paire de coups, moi on a pu faire ça. Mais voilà, fait qu'on est comme monté à Montréal pour aller visiter l'appart qu'on a un peu eu d'appart, mais c'est quand même le fun, on a passé une belle soirée, on est allé souper, puis tout, c'est juste, c'était un peu frustrant. Mais comme on essaye de voir le positif dans tout ça, puis comme c'était le fun, t'es allé au distrant, puis tout. Bref. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, aujourd'hui, je passe une journée ici, à la part, ça va faire du bien, là, c'est genre la tempête hivernale. Je suis comme, what the fuck. Genre, ça, c'est mon char. Genre, hier, il y avait aucune neige, puis là, il y a genre fucking de neige, puis genre, je pense qu'elle annonce genre vraiment beaucoup encore pendant la journée. Fait que ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas plus grave. Fait que je passe la journée ici, mais vers à peu près comme 3h30, 4h, je quitte, je m'envoie à Equatch, fait que je redescends à Quaticook. J'en ai soupé avec des amis que ça fait fucking longtemps que j'ai pas vu, puis sinon, demain, je pense qu'il faudrait venir dormir ici, ça reste vraiment relax. Fait qu'un bon petit week-end relax, puis comme pas trop compliqué. Miam! Ça va être trop bon! Puis là, je suis en train d'écouter des vidéos sur YouTube, mais en ce moment, j'écoute une youtubeuse canadienne que j'aime vraiment, qui s'appelle Kaylee Stewart, comme ça ici. C'est une TikToker, en fait, là. Ben, je dis TikToker, mais elle fait comme des vidéos sur YouTube, mais comme, elle est genre plus connue, genre sur TikTok, elle a genre 1 million d'abonnés sur TikTok, puis elle fait comme plus genre lifestyle, vlog, day in my life, comme esthétique un peu, mais comme, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Vous irez l'écouter si jamais. Je l'aime beaucoup. Puis j'aime ça quand il y a des TikTokers que je suis, puis que j'aime beaucoup leur contenu, puis qu'ils font des vidéos sur YouTube, j'ai l'impression que je suis comme plus enclin à les écouter pis tout. Parce que YouTube is YouTube, you know. On est en route pour aller à notre petit bus avec Flo. Salut! Ça va? Salut toi? Ouais, Flo est un peu enrhumé là, mais là c'est chill, j'ai amené. Ouais. T'as même pas utilisé tes mouchoirs que je t'ai amené. Ben j'en ai utilisé deux, là ça va. Ah mon dieu, je m'en souviens pas dans ce compte. Fait qu'on arrive à un souper à peu près 5 minutes, on s'en va chercher ici. Ça risque d'être bien bon. J'amène la viande hachée, ça qu'on dit, ouais, puis bon, c'est dégueulasse, j'avertis des as. La viande hachée, c'est dégoûtant. Fait que là, faut qu'on arrête à aller parce qu'aussi, il manque une petite coupe d'affaires. Tacos night. Là, on prend quoi? Tacos genre souple ou dur? Moi, je préfère les durs, toi. Moi, deux, j'aime mieux les durs. 12, ça rentre dans les 4. Ouais, c'est parfait, 12. On a tout. Flo a de la crème sur. Yes. Arc. Tacos night. Hello. Avec un bébé. Miam, miam, miam. Regardez ça, comment ça a l'air bon. Bon, fait que ça, c'est la salade à Flo, vraiment en mode montagne. Moi, je dirais que c'est moi les plus beaux. Attends, j'ai même pas garni. C'est vrai qu'avec le fromage, c'est le goût. Hein? Le temps ouais. C'est beau. Ben non. Qui rit, une petite boîte ici. C'est comme entre. Ouais. Entre deux. Entre toi. Ouais, c'est ça. Entre deux. Noé est en process. Ouais. Hello vlog. Ça fait longtemps. Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis back and better than ever. Kev est venu me chercher parce que dehors, c'est la tempête. La fucking tempête. Puis moi, on sait que mon char, on se rappelle des vlogs de avant Noël. Mon char resterait à rien et je peux pas me parker dans la rue parce que c'est en vigueur, l'interdiction. Hier, je suis allé à Montréal, comme je vous ai dit, pour aller visiter un appart, tu sais, avec la pièce, j'aime pas été. Ça, je l'ai dit. Puis, on est arrêté à la Blonde Biscuiterie. Biscuiterie. Pour moi. Toi, t'avais-tu déjà vu ça sur TikTok? J'avais vu sur TikTok, ouais, mais comme. Les aussi. Pas de temps, genre. Moi, je pensais qu'il m'avait acheté un croquis. Insérez photo croquis à l'instant. T'es jamais satisfait de qu'est-ce que je t'achète. Mais je suis encore dans de ce qu'il m'a acheté. Donc, ça vient dans une petite boîte comme ça. Dans le fond, c'est un magasin à Montréal de. Biscuiterie. De biscuits. Biscuiterie. Donc, il est marqué comme ça, c'est full cute, blonde biscuiterie. Alors, j'ai pris 6 biscuits. Salam! Fait que ça coûtait 18$ pour 6 biscuits. C'est quand même cher quand tu y penses. Ouais, c'est des assez gros biscuits. Biscuits! Alors là, le live, il y en a 5 parce que j'en ai donné à Marie, j'ai donné lui au citron. Moi, j'aime pas tant les trucs au citron, mais je vais vous expliquer comment c'est gel. Fait que là, moi, j'avais pris 6 biscuits. Là, il y a genre du bol de peanuts à mes cœurs. Là. Fait que moi, j'avais pris 6 biscuits. Puis j'ai comme mal checké la boîte qu'il m'avait donné. Puis c'est pas les bons biscuits que j'ai reçus. Fait que je suis un peu off parce que, genre, il y en a un au bol de peanuts. J'aime pas tant le bol de peanuts. Je pense que toi non plus. Ben, c'est en tout cas, vraiment... ben, ouais, ben, regardez. Je pense qu'il va être bon. Ouais, mais je pense que c'est le bol de peanuts dedans. Ah, oh, M&M, on dirait. Ouais. Smarties, non, c'est des Smarties. Ok, Smarties. Ça, c'est Nutella, je crois. Ça, c'est Reese-ish.
Ça, c'est mini eggs. Mais moi, j'avais demandé, ben, j'avais pris genre brownie, j'avais pris cooking cream, en tout cas, j'avais pris plein d'affaires, mais là, ils sont pas là. Parce que, on s'est comme trompé de boîte. On va aller se laver. En fait, je vais aller me laver. Et on vous revient. Bon, là, c'est ça. Il est quand même tard, fait qu'on va comme pas toutes les ranger. Ils sont-tu chauds, hein? Moi, je vais prendre mini eggs, puis il va prendre plein de fétis. Les deux, on prend les deux. Ok, la gang, hier, je suis allé au Blondie Biscuiterie. Blonde Biscuiterie. C'est full bon, la gang. Ils sont tellement gros les biscuits, c'est un problème. D'après moi, ça va être bon ça. C'est bon. Moi, mais... mon verre. Moi, ton verre. Il est vraiment bon, moi, je trouve. Moi, j'aime mieux lui que l'autre. Good morning, la gang. Bon, je dis good morning, mais il est vraiment même pas le matin. Il est genre midi et quelques. On est dimanche, on est le lendemain matin. On s'est réveillé vraiment tard, Fred. Puis moi, il était 10h30. On a genre chillé dans le lit. Comment relax, on va déjeuner, on va bruncher. Fait que je me suis comme tout habillé. Moi, j'adore les dimanches, là. Genre avant, quand j'avais ma compé, genre à chaque dimanche, comme je pouvais pas comme en profiter slash faire le quoi, mais là, depuis, ben c'est ça, j'aime ça en profiter, passer un beau petit dimanche. Fait que là, on s'en va manger slash bruncher au Café Oragon, je sais comme plus trop, en tout cas, je connais les noms, je suis jamais allé. Fait que je pense que ça va être bien bon. Fait que ça va être une belle journée, il fait full beau, c'est full ensoleillé, je pense qu'il fait quand même froid, mais au moins, je pense que... Il fait super, en fait, il fait full soleil à l'extérieur. Fait que ça, je suis bien content. Juste parce que je le guère, regardez qui s'en vient. La star. Abonnez-vous à mon TikTok. Fred, là, il faudrait vraiment qu'il fasse des TikTok, mais il en fait pas. Faisons un aujourd'hui. Day in my life. Tu sais que le problème dans la vie, c'est que je ferais que des vidéos de dégustation. Mais comme je veux pas que ça soit mon créneau, genre, m'amener manger, j'adore, mais quoi. T'adores ça. Correct, mais là, on s'en va au Café Aragon. Ah, c'est Aragon. Je savais pas comment ça s'appelait. Bon, comme d'être, on voulait aller à la base au Café Aragon. Café Aragon, on rentre là, aucune place. Fait que finalement, on est venu, on a brainstormé dans l'auto pendant une demi-heure. Live, il est présentement 1h19, puis on est sur la rue Wellington dans le Café 440. Qu'est-ce que t'as pris? Moi, j'ai pris les pancakes Disco Coco. Je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est vraiment en mode noix de coco, caramel de coco. Puis un matcha. Fait que moi, j'ai pris un latte glacé avec du lait de vache. J'ai pas encore goûté. On va goûter en live. Super bon. Tu veux te goûter? Ouais, goûte donc. J'ai goûté à ton matcha, là. Il est bon. Ça, c'est bien. Je vais montrer comment c'est cuisiné. Puis on est genre tout près des fenêtres comme ça. C'est trop beau. Bon, ben, j'ai pris le sandwich déjeuner. Fait enfin, ici, tout est végé. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. En tout cas, patate, mayo. Fred, il a pris ça à l'air quand même bon, toi. C'est quoi, toi? Tu l'as dit tantôt, mais jazz. Jazz club. Ah, jazz. Fait que voilà. Bon appétit. Bon, on vient de finir de déjeuner, c'était super bon. Ouais, on vous le recommande full si jamais vous y allez. Ça, c'était pas si cher, 22$. Fait que, ben, c'est pour un déjeuner, genre, des fois ça te coûte 8$, mais comme, tu sais, là, c'était genre végé pis tout. Fait que là, on va faire les boutiques sur la rue Wellington. Tell me what you